西暦2017年ドクターテキーラは南海のこと。 Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bullet Herding. Et aujourd'hui on s'intéresse à Harmful Park, une exclusivité PlayStation, première du nom, sortie en 1997, uniquement donc au Japon, également disponible sur le PSN, un jeu donc développé et édité par Skysync Systems, dont le directeur est Kinichi Fujita, qui va donc être un shoot'em up horizontal avec un univers très 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 particulier. On parle même de cute'em up, dont eh bien, le principal protagoniste est une héroïne, et vous allez voir eh bien, que ce que l'on retient surtout de ce jeu, c'est son univers déjanté, puisque nous allons traverser eh bien, différents grands thèmes, différentes attractions, au travers de 6 stages dans ce shoot'em up qui est eh bien, alors qui peut paraître comme ça juste mignon, mais qui est rempli de petites attractions, de systèmes, hein, attractions pour reprendre le thème des parcs d'attractions, mais même de petites d'idées de gameplay. On pourrait même le qualifier par certains moments, par certaines phases de shoot de Danmaku, parce qu'on va voir que ça peut être très chargé, sachant qu'il y a bien sûr différentes difficultés dans le jeu, d'ailleurs que le jeu de base est réglé en facile. Donc ce qui aide pas mal bien sûr à la progression, et il y a des petites d'ailleurs subtilités même au niveau des boss en fonction de la difficulté. Et alors, tout d'abord on va voir que le jeu aussi comporte, alors je vais vous montrer ça rapidement, toute une série de mini-jeux, c'est assez marrant. Donc dans l'écran des options vous avez un Punch Ball, un Sky Circuit et un Tank Battle. Alors Punch Ball c'est une sorte de Wii Jammer, Sky Circuit ça va être bah, se déplacer avec son vaisseau au travers des décors sans forcément les toucher, donc vraiment comme un jeu de course. Et Tank Battle bah, ça va être un petit jeu avec des tanks. Alors on peut regarder tout cela, voilà, donc ça... Oui, c'est pour la partie Punch Ball, ça ressemble un peu à un Windjammers-like. Hein. On va regarder la partie donc course. Voilà, ici, vous voyez, donc là, l'écran est beaucoup plus réduit. Et vous voyez, on a des tours à effectuer avec le Total Time et l'Lap Time. Donc voilà, et vous voyez, hein, il faut vraiment ici, en 2D, eh bien, gérer un jeu de course. Hein. Ça va assez vite, hein, par contre, vous voyez. Et on peut se retourner pour réussir à freiner son véhicule, ce qui est bien. Et ensuite, on a une phase avec un tank. Alors, je sais plus... voilà, c'est par là. Là, c'est un peu plus moche. Voilà, bon, là, c'est un jeu vu de dessus. Vous voyez, vous tirez un tank. C'est une sorte de Bomberman, puisque vous voyez, il y a des ricochets possibles avec les différents lasers et d'autres attaques. Voilà, ça fait partie donc de ce que vous pouvez trouver dans le jeu. Et également, un score attaque. Voilà, donc on a vraiment un mode où bah là, il faut faire du point. Donc, vous voyez, grosse diversité hein, au sein de ce jeu. On est là, bien sûr, en train de regarder encore une fois une vidéo issue de longplays.net. On va regarder bien tout de suite à quoi ressemble plus réellement, on va dire, quand on lance une partie classique du jeu. Voilà, on peut jouer à deux joueurs. Et donc, la particularité de ce titre, c'est de disposer de différents tirs dont le thème est la nourriture. En effet, vous allez donc pouvoir aborder ici, bah voilà, Potato. Alors le titre du tir est marqué en haut, juste à côté en fait du 1 player. En dessous vous avez le score et en dessous du score vous avez le dernier score en fait par rapport aux ennemis. Vous avez différents levels pour chaque arme. C'est pour ça que vous avez un petit level à côté de Potato. Donc pour ces armes, il y en a donc 4 Potato. Ice Cream, donc Potato ça lance des frites, hein, la main lance des frites. Ice Cream, qui est un tir assez, vous verrez, intéressant, on verra un petit peu après, qui transperce et qui peut être intéressant pour atteindre certaines zones que d'autres tirs n'arrivent pas à atteindre. Pie, où là donc vos bras lancent des tartes, clairement. Et Jelly, alors Jerry en japonais c'est Jelly, hein, on balance tout simplement des bonbons. Et autres confiseries. Donc à chaque fois 4 levels disponibles que vous allez pouvoir donc faire augmenter au travers de power-up, hein, petites capsules power-up qui vont se promener. Côté HUD, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, vous voyez qu'on se fait attaquer hein, également par des bonbons. Côté HUD, eh bien on a les vies juste à côté, on se ressemble à une espèce de petit poisson là, enfin ou des petites... comment on appelle ça, vous savez, comme dans les roller coasters, les petites voitures dans lesquelles on monte. Hein, voilà, en sachant que c'est un peu particulier, de ce que j'en ai compris, c'est à chaque fois qu'on termine un boss, en fait, bah on va récupérer une vie. Voilà, donc à chaque fin de stage, vous avez une vie supplémentaire. Et le S, c'est
la sub-weapon, secondary weapon, là il prend plein de power-up, vous voyez, donc il est presque au level max, et il est level max pour les pommes de terre, et vous voyez, quand vous prenez du power, hein, ça va très vite se remarquer, le tir va changer de forme, alors là c'est assez drôle, ouais, au milieu vous avez cette attraction, façon pirate des Caraïbes, voilà, donc là en fait vous pouvez pas la détruire, hein, faut attendre qu'elle ait gagné une position supérieure comme là, pour, voilà, tout simplement, parce qu'elle va pas retomber en fait, elle va s'éteindre, voilà, vous allez pouvoir continuer, vous avez vu pas mal d'ennemis aussi qui arrivent, différentes vitesses, il y en a qui arrivent de dos, on va bien sûr s'en défaire le plus rapidement possible puisque certains vont délivrer des tirs plus ou moins embêtants, hein, des tirs en arc de cerf qui vont vous remplir facilement l'écran. Ça va vraiment dépendre des ennemis. Si on attaque la grande roue dans ce premier stage, on peut détruire les petites cabines une à une. Et là, vous voyez derrière le petit zeppelin là, qui arrive, petite montgolfière, et qui délivre des tirs en forme de croisillon qui font penser un petit peu à des tirs de Death Miles. Et on se fait attaquer par des saucisses à elle. Tout se passe très bien. Vous voyez, un univers très chatoyant, très coloré, et pourtant le jeu est pas si facile que ça. Alors, ça va quand même, hein, ça reste, on est bien d'accord, abordable, mais il y a pas mal de pièges, on peut très vite se faire surcharger en termes de tir. Vous voyez, en plus on peut regarder un peu les décors, là on voit ces espèces de personnages là avec des têtes issues de Pinocchio qui nous crachent le café de l'attraction des tasses, vous savez, ces tasses qui tournent. Avec lesquels on monte dans les parcs, donc attraction classique, hein, mais là, sauf que le café nous est jeté par la tête. On a différents ennemis qui sont plus résistants, donc là, on va reprendre le tir. Alors, on va switcher, bien évidemment, entre les différents tirs ensuite pour faire augmenter leur puissance de feu. Ça va de soi, puisque une fois qu'une arme sera à son maxi, bah, le power ne va pas servir à grand-chose pour cette arme-là. Donc, on va changer d'arme pour faire augmenter le power. Bien sûr, attention quand on va basculer. Je vous ai juste pas dit, donc on a un bouton pour tirer, un bouton pour justement changer d'arme et un bouton pour activer les sub-weapons. Alors les sub-weapons sont assez intéressantes, on va pas beaucoup les voir, malheureusement elles sont plus utilisées à la fin du run, mais donc c'est une sorte de super tir, imaginez un peu le laser de Dononpachi dans les premiers, hein. Qui c'était en fait la bombe qui venait un gros laser, c'est un peu le principe là. Pour cela, vous consommez les petits S, vous voyez, qui sont sous le nombre de vies. Là, il y en a 4 actuellement, ça sert à ça en fait, les S. C'est l'équivalent un peu de bombe, hein, en fait, en soi. Ça va déclencher un super tir. Alors, quand on est en potato, ça balance une grosse patate. C'est donc le tir, on lance les frites, là, vous avez vu. Quand c'est les gâteaux, ça lance plusieurs gâteaux dans tous les sens. Quand on est en position, là, c'est très intéressant, en position bonbon, ça fait une sorte de flambie autour de vous qui devient un bouclier, donc ça c'est vraiment intéressant, le Jello Shield. Et Ice Cream, ça va faire un gros tir, hein, qui va partir, voilà. Donc là, le premier boss est très anecdotique, l'explosion ne vous tue pas, hein, du boss, et on va attaquer donc le deuxième niveau avec la maison dont le thème est plutôt la maison hantée. Vous allez voir, avec une petite scène d'ailleurs à la fin, introduction du boss, et une petite mécanique très 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 sympathique. Alors vous voyez, niveau score, donc chaque ennemi rapporte des points, bien évidemment. Les petites émeraudes, enfin non, c'est pas des émeraudes, vert c'est émeraude, on sait plus, qui rapportent des points également, et le fait de ramener ces S, comme des bombes en fait, vous donne un surplus de points. Voilà, donc là on va attaquer un monde plus Castlevania-esque quelque part, hein, beaucoup plus fantôme, un petit peu angoissant. On va retrouver toutes les entités qui vont bien avec ce thème un peu Halloween, hein, les poupées, les fantômes, les spectres qui vont apparaître d'un seul coup. Alors il y a aussi des fois des gros ennemis qui se cachent un peu partout. Là on va voir par exemple, il y a un trou ici pour faire surgir une sorte de fantôme, petit screamer comme ça, pas très très violent, très sympathique, alors qu'on nous observe, hein, du château. Et en fait on va assister, alors on rentre, on s'en rend pas forcément compte, mais on rentre dans une église, on va assister à un mariage, ce qui va laisser place à un sketch à la fin du niveau, bien sûr, hein, grosse dose d'humour concernant le jeu. Alors apparemment ce titre, hein, de ce que j'ai pu en voir, est sorti avec en très peu d'exemplaires, donc il y a eu très peu de copies du jeu qui ont été faites, ce qui fait qu'en fait le jeu se retrouve, et même s'est retrouvé très vite à un prix assez élevé pour un jeu PlayStation. Et vous savez, après, hein, la rareté, alors c'est pas toujours la qualité, mais par contre ça fait les prix, ça fait vraiment monter
la sauce au niveau du porte-monnaie. Là, c'est ce qui se passe pour ce jeu. Vous voyez, par exemple, là, c'est une sorcière qui envoie un arc de cercle boule. Bien sûr, après, ces boules se séparent, mais il faut faire attention. Alors, vous voyez, c'est pour ça que je parle de Danmaku, parce que la hitbox est assez petite, en fait. Vous voyez, le personnage passe vraiment bien entre les petites boules. Alors, je sais pas exactement où elle est. Quand j'y ai joué, j'ai pu un petit peu jouer avec ça. Et c'est vrai qu'on n'a pas une hitbox gigantesque. Donc, on peut réussir à passer entre les tirs comme ça. C'est faisable. C'est pas toujours évident, mais vous allez voir qu'il y a des petites pluies qui vous arrivent dessus par moment. Alors, après, vous avez l'option d'utiliser le Jello Shield, mais bon, il y a aussi moyen de passer en esquive classique. Alors là, on voit le tir Ice Cream. Alors, oui, le tir Ice Cream, la particularité, c'est qu'il passe à travers certains éléments, notamment ici. Vous voyez, il n'est pas repoussé par les armoires, en tout cas le dos de ces tiroirs d'où sortent des poupées, et ce qui est assez pratique pour s'en débarrasser, parce que vous n'avez pas d'arme qui tire derrière vous, d'accord, à part si vous utilisez une sub-weapon, on va dire, une arme spéciale. Mais sinon, vous ne pouvez pas tirer derrière vous, alors qu'il y a des ennemis qui arrivent de gauche et de droite et de gauche dans le jeu. Et là, petite mécanique très particulière et très intéressante, vous voyez cette mâchoire, donc ici présente à l'écran, et vous voyez ces espèces de spermatozoïdes, hein, je sais pas comment les appeler là, qui sortent donc des vitraux, et le seul moyen de les détruire, eh bien voilà, vous l'avez compris, c'est de se faire croquer par cette mâchoire. Donc vous êtes obligé de les attirer, repasser dans la mâchoire, qui va se fermer avec une certaine latence, et ça va être le moyen de détruire ces ennemis, le seul d'ailleurs, et il vaut mieux essayer de tous les détruire si vous jouez, bien sûr, le score, hein. Là c'est un joueur qui s'appelle, alors je vais écorcher hein, son pseudo, c'est Shioshi, je sais pas trop comment ça se prononce exactement. Vous aurez bien sûr hein, le lien directement si vous voulez voir la vidéo complète. Pour avoir la source tout simplement de cette émission. Et là vous voyez, on assiste à un mariage. Alors il y en a un qui intervient, dire non, ne te marie pas. Et là bien sûr hein, c'est une sorte d'amant, mais c'est la mariée l'aime vraiment. Et pendant ce temps vous voyez donc le marié lui pleure, et ses larmes sont des projectiles. C'est n'importe quoi cette scène. Et au fond vous avez un bol. Alors faut surtout pas s'en occuper, faut s'occuper des projectiles là, qui sont assez assez embêtants. Et du coup vous voyez que on envoie des gâteaux, on tire sur le boss, on essaye d'éviter les larmes du marié. Donc une scène assez drôle, et on va continuer l'affrontement, parce que c'est plus une... C'est pas vraiment, ouais, j'ai dit un boss, c'est plus un mid-boss, parce que c'est une coupure dans le niveau. Là, on va préparer l'arrivée du boss à travers ces cristaux, là, qui vont polluer l'écran, mais c'est surtout que vous allez voir, vous allez être accueilli par un ennemi qui va tirer un petit peu dans tous les sens, et là, c'est la phase tu connais ou tu connais pas. Voilà, c'est lui. Vous voyez, il y a des canons qui sortent, en fait, de ses mains. Si vous n'avez pas repéré, en fait, hein, on a cette tête, là, et vous voyez, il fait un fuck à l'écran, hein. Et, en fait, c'est un laser, et donc c'est un ennemi. On a l'impression d'une succession comme ça de petits mid-boss avant d'arriver face au boss de ce stage 2. C'est assez marrant, hein, assez drôle. Et d'ailleurs, on peut noter aussi dans le stage 4, il y a donc un cinéma de plein air. Alors, c'est vrai que chez nous, c'est moins connu, mais aux États-Unis, vous avez sans doute vu plein de scènes de films où on se rendait dans ces cinémas de plein air en voiture. Donc, c'était l'occasion aussi de draguer, hein, devant des grandes salles géantes. Alors là, je sais plus si c'est vraiment en plein air ou si c'est une salle de cinéma, mais c'est marrant parce que donc on affronte un boss dans cette salle de cinéma qui nous paraît être une jeune fille très sympathique, et en fait ça va dépendre du niveau de difficulté dans lequel vous jouez. C'est-à-dire que si vous jouez en facile, quand vous allez voir son visage, elle va juste être ultra moche, et quand vous jouez en difficulté niveau supérieur, c'est une jeune fille très attrayante, dirait-on. Voilà, et ça c'est assez marrant, donc il y a plein de choses comme ça. Par contre, alors les boss pour le coup, c'est vrai... En tout cas, s'ils sont tous comme celui du premier, mais c'est ce que j'en vois, à part le dernier boss, celui du stage 6, où là, vous allez déployer toutes vos super armes, histoire de les utiliser, sont... En fait, on s'en débarrasse assez vite. Hein, on s'en débarrasse assez vite. Ils peuvent être très stylés, mais on s'en débarrasse rapidement. Et là, on va atteindre le niveau... animaux, en fait, niveau forestier. Là, c'est pour ça qu'on voit un singe qui nous pique notre bouffe. Là, elles sont sœurs, hein, les deux, donc elles discutent entre eux. Et vous avez des petites cutscenes comme ça pour agrémenter le passage d'une attraction à une autre. Vous voyez, Animal Zone, alors qu'il a encore récupéré, vous voyez, une vie. Donc là, il atteint le troisième stage, il a récupéré une vie après le premier, une vie après le deuxième, donc il est à 4 vies, du coup, en plus. Alors, c'est vrai que c'est, par contre, le jeu, c'est du one-shot, hein. Vous êtes touché, vous perdez une vie. En sachant que, par contre, vous ne recommencez pas un checkpoint au début du level, vous recommencez là où vous êtes. On va dire un peu classiquement comme dans les jeux de cave, c'est comme dans un Danmaku, quoi, en fait. Il emprunte pas mal le style. En même temps, on est en 97, hein, donc il y a des titres qui ont fait école, notamment les Donpachi et Donpachi, qui sont sortis aussi.
Et donc, c'est vrai que on reprend le fait qu'on se fait toucher, son vaisseau explose, mais on réapparaît à l'endroit où on est, on va pas reprendre à partir d'un checkpoint, donc ce qui est plutôt sympathique, et qui est moins frustrant, très certainement, pour le joueur. Voilà, donc là, il y a ce gros gorille qui arrive, les musiques aussi, hein, qui collent bien à l'ambiance, assez diversifiées, et les univers essayent de l'être aussi. On va rester, bien sûr, dans toujours quelque chose d'assez chatoyant, même si un petit peu en évoluant dans les stages. Il est vrai qu'on va avoir une sorte un peu de... Enfin, quelque chose de plus confiné, on va dire. Mais le stage 4, ça ressemble à un roller coaster. Bon, après, il y a vraiment... Il y a un stage aussi où c'est le carnaval. Ça, c'est le cinquième stage. Le stage final, on l'affronte, en fait, au milieu d'un... on a l'impression que c'est un gigantesque bar, en fait, hein, où il y a des bières et tout, ou un saloon. C'est assez, assez, bien sûr, fantasque pour aller dans l'univers du jeu. Alors, c'est dans le niveau 3 où on se fait... Je sais pas si on l'a vu, où on se fait attaquer, parce que je suis en train de regarder autre chose. On se fait attaquer par un hélicoptère, et c'est un chien, en fait, dont les oreilles... La queue tourne, vous savez, ces hélicoptères à double hélice là qui font surtout qui servent à approvisionner au niveau pour l'armée militaire. Bon, j'y connais rien en termes de comme vous vous en doutez en termes d'hélicoptère, mais la forme d'hélicoptère, c'est vraiment là. Voilà, on se fait surprendre par un énorme crocodile alligator. On sait pas, le panda qui glandouille, hein, vous voyez, tranquillement sur son île. Je sais pas si on va le voir là, le petit chien. Pendant ce temps, on nous envoie des marteaux, enfin, son frère marteau dans un Mario, les tortues aussi, hein. Donc là, tortue avec, vous avez un petit pot d'échappement, ça va être très très utile. Voilà, donc on a différents types, et d'ailleurs là il utilise, on l'a vu switcher très rapidement, mais il a utilisé le tir jelly. Donc on lance des bonbons, on a l'impression que c'est des petites bananes tranquilles qui balancent. Et c'est assez intéressant parce que donc du coup ça va avoir une gravité différente et vous allez pouvoir les balancer par-dessus un éventuel obstacle aussi qui pourrait se prononcer devant et grâce au scrolling toucher l'ennemi qui est derrière. Donc ça c'est vrai que c'est assez sympa. Voilà le chien, et là les petits corbeaux qui passent façon City Hunter, très animé, très animation japonaise. Voilà le chien hélicoptère qui est assez drôle, il tire, hein, quand même, hein. Il est un petit peu excité, mais au niveau de l'air-train. Alors je ne sais pas, hein, si vous pouvez voir un signal fort, mais il nous tire dessus avec son arrière-train, je ne sais pas. Sans doute un signal incroyable que ce jeu veut nous envoyer. Voilà, et bien écoutez, pour ce Harmful Park sur PlayStation 1997 dans ce Bullet Herding, j'espère, eh bien, que vous aurez pris plaisir à découvrir, redécouvrir ce jeu. C'est vrai qu'il est pas méconnu du fait que son univers, c'est un peu comme Shoaniki ou Toilet Kid, dont ça n'a rien à voir, mais des jeux qui sortent un peu des sentiers battus, vous savez, souvent ils sont assez connus parce qu'ils deviennent un peu, pas forcément des mêmes, mais ils sont pas mal rédoubliés justement pour leur côté décalé. Donc c'est un peu sur la vague sur laquelle surfe ce Harmful Park. Très bonne semaine à tous, tirez bien partout, bon shoot et gaming.